Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette troisième séance de gym douce. Délimitez l'espace chez vous avec votre tapis. Prenez bien une bouteille d'eau et puis, courage. On y va. Le talon à droite et à gauche. On marche. 1, 2, 3, 4 et on recule. Sur le côté, on monte les deux épaules. Relâchez.
Déroulez les épaules. Pour la troisième. La jambe du dessus, on pense bien surtout à pousser sur son talon, très important. On va faire des tout petits. On reste, on va faire point de flex. On reste flexé autour. Dans l'autre sens. On stabilise, on maintient. On replace. Et on repart pour la deuxième. Je monte et je descends. «
les tout petits. On reste, point flex. On reste flex et on tourne. Ça va commencer à chauffer un petit peu dans la fesse, c'est normal. On respire bien, on oxygène surtout. Dans l'autre sens. Et on stabilise, on maintient. Replacer. On est parti pour une troisième. Allez. Courage. C'est la dernière. Les tout petits. On reste, point de flex. On reste flex et on tourne. Dans l'autre sens. Et on stabilise, maintenez. Respirez. Et puis relâchez. Pliez un petit peu les jambes, détendez, massez un peu votre fesse si vous avez besoin. On passe sur le dos pour la suite. Alors, on calme bien le dos sur le tapis. On vient glisser les mains sous les fesses. On ramène les genoux vers la poitrine. On pense à bien serrer son périnée. C'est très important. Hein. On ne le lâche jamais, surtout pendant nos abdos. Et on va venir faire tout simplement du pédalo dans l'espace. On est parti. À la ouverte. Sur la droite. Je décolle un tout petit peu ma fesse gauche. Je replace au centre et même chose de l'autre côté. Et je reviens au centre. Je continue mon pédalo vers l'avant. À l'envers. Prenez une petite pause hein, si vous pensez que c'est nécessaire, il n'y a aucun souci, on le prenez ensuite. On repart vers l'avant, légèrement sur la droite. N'oubliez pas les mains sous les fesses, très important pour protéger votre dos. Revenez au centre. Gauche. Et ce coup-ci, je tends, je plie. Je lâche pas le périnée, hein, c'est toujours les abdos. On reste vers le haut, point de flex. On reste flex et on tourne. Les jambes sont bien serrées. Dans l'autre sens. Stabilisez, on repart. Plié, tendu. On reste vers le haut, point de flex. On reste flex et on tourne. Dans l'autre sens. On stabilise. Ramenez les genoux vers la poitrine, détendez un petit peu.
récupérer, puis on passe sur le deuxième côté pour les fessiers. La jambe pliée en dessous, tendue sur le dessus, la main posée bien devant pour l'équilibre, et je monte et je descends. Je reste vers le haut, point de flex. Je reste flex et je tourne. Dans l'autre sens. On stabilise. Poussez bien sur le talon, gainez votre jambe. On replace. Et on repart pour la seconde. Et tout petit. On reste pointé flex. On reste flex et on tourne. Dans l'autre sens. Stabilisez. Respirez. Et on replace. Allez, pour acheter la dernière, on y va, on monte et on descend. Les tout petits. On reste pointé flex. Restez flex et tournez. Dans l'autre sens. Allez, on va stabiliser, on maintient. Et on relâche. Pliez vos jambes, détendez un petit peu, massez s'il y a besoin. Et on va pouvoir passer aux étirements. Alors, on va passer à nos étirements. On pense à bien serrer le ventre, à bien poser son dos sur le sol, et on va venir ouvrir les bras de chaque côté. On va pousser sur les deux talons, bien étirer sur les deux bras. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. On relâche doucement, on vient croiser les bras sur la poitrine et avec les mains, on va essayer d'aller chercher les omoplates. Même chose, je tire sur mes deux jambes, je pousse sur mes deux talons. C'est comme si je me faisais un gros câlin. Je tends ma jambe, j'attrape derrière la cuisse, je pousse sur mon talon. On relâche doucement, puis on change. Placez le genou sur la poitrine. Étendez votre jambe. Relâchez, récupérez les deux genoux. Ouverture des genoux. Placez les deux mains à l'intérieur des chevilles et les pointes de pied restent en contact.
relâchez, resserrez. Posez un pied au sol, l'autre pied sur le genou. Ouverture, je pousse sur l'intérieur du genou vers l'avant. Je décolle le pied du sol et je ramène vers vous. Change, même chose de l'autre côté. Une main à l'intérieur du genou, je pousse le genou vers l'avant. Puis je décolle le pied. Je relâche, récupérez les deux genoux. Puis terminez par un petit va-et-vient à droite et à gauche. On va pouvoir rouler doucement sur le côté. Pensez à vous servir de vos mains. Voilà, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt, soit pour une prochaine vidéo ou j'espère bientôt en direct. À très vite.